Gros plan sur Alexandre Lacazette, il est en forme, 3 buts marqués lors de ses 3 derniers matchs, série en cours, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Salut à toutes et à tous, bienvenue, on est en direct du Groupama Stadium de Lyon, dans la cabine de commentateurs, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Pulguita. On retrouve tout de suite la Ligue 1 avec ce duel intéressant. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire. Hein. Maxence Cacré, le numéro 23, Thiago Mendes, le numéro 8. Le numéro 91, Alexandre Lacazette. Et on termine avec le numéro 9, Moussa Dembélé. Merci à toi. Bon, ça. Salut. Bon courage. Un bon match. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Et ballon dangereux dévié, corner indiqué par l'arbitre. C'est bien parti pour ce corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr. Oh, l'occasion de but, attention! Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Kaoui. Ouais, le ballon leur échappe. Et on se rappelle, le dernier match de l'OL s'est soldé par un nul face à Auxerre. Comment on peut envisager cette rencontre? Oui, un match un peu fou qui s'était fini sur un bon 2 partout à l'extérieur. Cela dit, la dynamique est très bonne. Il reste favori pour le match d'aujourd'hui. Sans problème pour Anthony Lopez. Moussa Dembélé. Avec la casette. Des possibilités pour reprendre le ballon sur ce centre. On va pas se mentir, donc on va se dire la vérité. Cette frappe placée, c'est complètement manqué. Rater le cadre à cette distance, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ça joue sur Maxence Cacré. Et l'arbitre indique le corner. Un corner qui est bien ajusté. À une tête qui passe assez loin du but. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Dessous.
avec Moussa Dembélé. La frappe de Dembélé, et c'est le but! Ce but est peut-être le plus important, c'est celui pour faire la course en tête. Le poteau n'était pas forcément vif ouvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Moussa Dembélé. Dossou. Moussa Dembélé. En direction d'Alexandre Lacazette. 606 YU. Ballon pour une frappe. Le gardien fait ce qu'il faut. Merci. Le corner d'Aouar, le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et c'est une frappe! De nouveau, un corner à jouer. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Aouar avec le ballon. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et la belle série de passes pour aller tenter d'égaliser. Et ballon perdu et récupéré là par l'adversaire. Moussa Dembélé. Aouar reçoit le ballon. Et c'est vers Oussem Aouar. Quel bon centre appliqué au second poteau. Et c'est capté là sans trop de problèmes. C'est bientôt la mi-temps, la marge est fine, c'est vrai, mais pour l'instant, l'équipe locale est devant. C'est une bonne première partie de la part de l'OL. Même si l'écart n'est pas encore énorme, l'équipe donne une impression très positive. Avec la mi-temps qui arrive, ça va être l'occasion d'effectuer quelques réglages. Dembélé. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Et une reprise de volée un peu à la Da Fonseca. Sauf que moi, mon élégance corporelle était bien repartie dans l'espace. Bien sûr. Cousteau, Maxence Cacré, Moussa Dembélé. Ouais, c'est vers Tagliafico. Sur le côté, l'OL a de l'espace. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et c'est vers Oussem Aouar. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. C'est joué par Aouar. Et oui, c'est bien défendu sur cette tête. Ah, c'était le but du chaos. On devine la frustration de l'entraîneur sur cette action. Et voilà, c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Et on le voit là, c'est Moussa Dembélé. Il a vraiment réussi sa première. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Son but marqué en première période offre l'avantage à son équipe et c'est très important pour la suite du match. Le début de cette seconde période est Lyon qui a toujours un but d'avance dans ce match.
et la récupération du ballon. Le ballon en touche. Et on passe par le côté. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et la bonne parade du gardien. Et c'est donc une petite combinaison. Dembélé. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. C'était dans les tuyaux, mais la direction de Tottenham confirme à l'instant le bouclage de l'opération. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Et dans le couloir, les Lyonnais peuvent avancer. Quelle occasion et quel raté aussi. Attention, parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir l'addition pour ne pas voir revenir leur adversaire. El-Bassane Rachani. Johan Gastien. Le ballon est intercepté. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Gastien, l'attaque se poursuit, elle se développe. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et au programme des rencontres à suivre bientôt, nous avons à vous proposer de la Ligue 1. L'OL affrontera le FC Lorient. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Tosu. Et une passe lobée pour créer le danger. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. L'arbitre là applique une chance d'égaliser, peut-être. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. Allez, c'est joué court. Johan Gastien. Attention, la frappe. Ah, la frappe est contrée. Sortie en touche. Gusto. Et on vous le rappelle, à suivre très bientôt ensemble un match de Ligue 1. Clermont affrontera contre Nice. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Dembélé, et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Le corner pour l'Olympique Lyonnais. Un but maintenant, ça sera l'occasion de se mettre à l'abri. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. C'est bien parti pour ce corner. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Ah, le corner bien tiré. Ah, c'est une bonne opportunité de la tête. Malheureusement, ça passe légèrement au-dessus. Et voilà, c'est un changement donc.
La fin du match approche et c'est maintenant qu'il faut être fort devant son public pour sécuriser le résultat. L'OL est bien dans cette fin de match. L'idéal maintenant, c'est de garder le ballon le plus longtemps possible et le plus haut possible pour éviter de le perdre dans une zone dangereuse. Oui, très bon arrêt. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et oui, c'est dangereux. Bien placé pour conclure, peut-être. Le danger est toujours présent. Poteau sortant, le ballon quitte l'aire de jeu. Quel dommage. C'est à se demander s'ils ne sont pas carrés, ces poteaux. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Dessous. Gastien qui reçoit le ballon. Ah oui, l'excellent ballon. Magnifique intervention. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. Ah, il est important ce corner, peut-être une chance d'égaliser. Et le remplacement peut avoir lieu. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Excellente intervention, le ballon est capté. C'est la fin du match et donc victoire et 3 points de plus pour l'Olympique Lyonnais. C'est une courte victoire, mais peu importe, c'est une victoire quand même et 3 points dans le sac à dos. Ballon pour une frappe. Ouais, ballon pour une frappe. Ouais, le gardien intervient tout en sobriété. Ballon bien travaillé pour ce centre et la bonne parade du gardien.
Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. Merci encore.